et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. On se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire un Oreo géant. On aura besoin de brisure de biscuits Oreo. Vous pouvez le trouver directement en sachet comme ceci. Ou sinon, vous achetez directement les biscuits Oreo. Vous enlevez juste la crème qu'il y a à l'intérieur. Et vous les passez au mixeur pour les briser. On aura besoin du beurre. Pour la partie crémeuse du gâteau, donc si vous achetez des Oreo, vous gardez la crème, vous la mettrez dans la crème qu'on va faire. Donc on aura besoin de crème liquide entière, du lait concentré sucré. Donc si vous gardez la pâte qu'il y a dans les biscuits, vous ne mettez pas le lait concentré sucré. On aura besoin du mascarpone, du sucre glace et quelques brisures de biscuits Oreo. Donc tout d'abord, on fait fondre le beurre, puis on l'incorpore dans nos biscuits, et ensuite on vient l'étaler dans le moule. Donc là, c'est un moule de 24 cm. J'ai mis du papier rhodroïde tout autour pour pouvoir le démouler facilement. Donc ça, c'est pour la partie du dessus. Maintenant, je vais battre ma crème liquide entière, le mascarpone et le sucre et le lait concentré sucré. Voilà, j'ai mélangé ma crème liquide, mon mascarpone et le lait concentré sucré. Maintenant, je vais ajouter le sucre glace. Et je viens ajouter les brisures d'Oreo. On vient mettre ceci sur notre fond de biscuits. On vient placer ceci au frigo pendant minimum 30 minutes, le temps que ça prenne un peu. Et ensuite, on mettra le dessus. Donc, voilà, je viens de passer donc les biscuits au mixeur. Là, j'ai mon beurre qui est fondu. Je l'incorpore. On va venir mettre ceci sur notre crème. Voilà, on va laisser refroidir pendant environ 1 à 2 heures et ensuite on pourra démouler. Voilà le gâteau Oreo géant. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.